Encore aujourd'hui, l'intimité féminine reste méconnue. Nous avons invité des mères et leurs filles de 16 ans à participer à une expérience éducative. Oula. On va devoir compléter le schéma. J'espère que t'as révisé. Alors déjà, ça c'est le sexe féminin. Oui, mais le sexe féminin, ça s'appelle un vagin, non? Alors, je crois que le vagin, c'est toute la partie extérieure. Bah non, c'est la vulve. Mais t'es sûre? Parce que vraiment, personne dit ça dans la vraie vie, donc... Et c'est quoi ça, là? Ça, c'est le clitoris, hein, je crois. Alors, tout ça, c'est le clitoris aussi? C'est pas là, hein, parce que je m'en souviens. Le clitoris, c'est un tout petit truc rond. Bah, si c'est pas là, c'est où, alors? Je suis toujours pas sûre pour ce truc-là. De toute façon, on n'a même pas tout complété, alors. En France, en 2019, seul un manuel scolaire sur 8 représente correctement le sexe féminin. Ça me paraît incroyable. On n'a pas tout le droit au même schéma. C'est pas normal, en fait. On fait quoi pour elle? Saforel a créé The Missing Page. La page avec la représentation la plus précise et complète du sexe féminin à ajouter à votre manuel de SVT. Mais c'est trop cool comme idée. Je peux en avoir une pour mes copines? Moi aussi, je peux en avoir une. Je vais la mettre dans mon livre d'SVT, ça c'est sûr. Comment prendre soin de son intimité si on ne la connaît pas?